Attraper un oiseau en vol. Grab something as a crow fly. Allez. Or, love in short. Ouais, Action Tess. Ouais, Grumzag. C'est quoi la pression des pneus à chaud? Aucune idée, aucune idée. Voilà, aucune idée, ça. T'as pas l'accès, je te mets, je te mets ça après. Je sais déjà qu'on est 4 sur le Discord. Moi, j'aime bien le silence. Donc, ça va être le bazar. Là, on a le temps, hein, 50 secondes. 45-0, c'est pas fou, ça. Ouais, ne me parlez pas de setup, les gars. Moi, je sais pas ce que c'est, les setups, là. What is the setup? Non, who is the setup? Non. Who is the setup? The setup in the kitchen. Ah, c'est Pielo. You are the man, Fab, you are the man. Allez, on se focus. Ah, bien. Mais on n'a pas battu Nico et Nelson, non? On n'est pas des machines en qualification, non? Je sais pas, franchement. Mais allez, on... Le 44-9, il est où? Et allez, on est là. Bah P7, bah je suis bien content. P7, très bien. Bah, moi je suis content, P10, c'est bon. C'est bien. Grande machina, grande. Et même 7ème, on perd de l'hier. Dès que je vous dis, je peux plus faire de course dans ce T-Racing de mort là. Moi j'en gagne, j'espère. Putain. Non mais moi faut que... Honnêtement, faut que je demande à mon nouveau patron de me payer un nouveau compte. Je peux plus. Non mais je peux rien faire. Je fais 7ème, je fais moins 4. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça le problème, il y en a beaucoup qui comprennent pas. Non mais il y en a beaucoup qui comprennent pas ça, mais moi je peux pas faire toutes les courses, c'est pas possible. 7ème en Porsche Cup, c'est pas mal vu le temps que j'ai passé à training. 7ème, c'est bien, mais je perds l'hier. Foiré de racing. Tu vas me mettre à Mario. Il y a quoi, il y a 3-4 softs, non? Ouais, je pense. 3, on était 40, je crois. Non, combien on était? 60? Je sais plus. Bon, attendez, je m'ouvre le patron, les gars, je m'ouvre le patron. Oui, Oh, il nous entend pas. Il nous entend toujours pas. Si, il nous entend, mais nous, on l'entend pas. Il nous entend pas encore, là? Si, il nous entend, là. Si, je vous entends. Eh, allez, il vient perturber les stars. Attention. Alors, là, attention, on a du monde, là. Là, on a un photographe. Ouais. Un pro de l'entraînement là. Comment ça se fait que c'est Lolo qui m'a offert l'abonnement? Ouais, hier, ouais.
Non mais il l'a fait au hasard. Hein. Ah bon. D'ailleurs il me l'a dit après, il m'a dit putain je suis dégoûté que ce soit lui. Hein. Donc bon, il m'a dit de pas le dire mais bon. Oh petit contrat Nico, bien sûr. Tu recevras sûrement le truc, le document demain ou ce soir, je vais essayer de me changer un peu les idées là et je vais faire ça et travailler quelques skins aussi. Et allez. Ça va. Alors toi aussi, mais toi. Ah moi c'est plus tard. Toi t'es. Moi il y a beaucoup de pages dans mon contrat donc. Il y a beaucoup de clauses. Ouais, c'est vrai. Bah c'est bien, c'est bien. Tu fais combien? T'es P11 Nico, c'est ça? Ouais, P11. Ça va hein? Mais j'ai pas amélioré entre les deux tours, j'ai raté un peu l'entrée du deuxième là. Mais bon, P11 avec l'hashtag 21, je m'en fiche, je suis content. T'es le meilleur Nico. Alors Johan, la première clause, ça sera entraînement. Interdiction d'aller dans le jacuzzi. Je vais renvoyer le contrat direct alors. Allez hop. Ça passera de 3 tours à 6, tu vois. C'est bon alors. Heureusement que t'as utilisé le terme doublé alors. C'est bon. 6 tours d'entraînement, c'est bon. Doubler l'entraînement déjà dans un premier temps, les 3 premiers mois, et ensuite nous doublerons encore cet entraînement. Ah, mais déjà, regarde, Nico et Nelson, ils ont fait 14 courses cette semaine, allez, bim, 3 dixièmes dans la vie. Là, on va aller chercher Felipe Massa devant là. Et Nelson, c'est un photographe avant tout. Hein. Ah oui, c'est vrai que bah, lui, s'il crache la voiture. Il positionne c'est bon, photo. Il faut savoir que lui, quand il fait son tour chrono, il a son appareil photo en même temps, quoi. C'est clair, hein. Et ouais, les gars, je fais des selfies en roulant. Ouais, il a dû régler tout, l'ISO et tout, quoi. C'est une team pro 123 pneus, donc forcément, c'est pas le contrat Red Bull non plus, hein, mais... Ouais. C'est important. Le bar, là, qu'est-ce qu'il fait donc là? Wow! Voilà. Alors toi, il s'est barré. Non, je suis là, je suis allé voir Lolo, il était dans le bar tout seul. Au niveau de l'essence, ça suffit Nelson, là, ton truc que tu m'as envoyé, là? T'as fait quoi ta voix encore? Non mais ça suffit ouais, ton machin. Ouais, ça suffit. Toi, tu finis pas les courses, donc forcément, ça Ah oui, ça suffit. Mérite sa bière. Bah c'est pour toi. Ouais, j'ai un souci de micro, Xonic. Ouais, c'est vrai. No point. Désolé. Tu prends de l'hier, toi, là, Nico, là? Ouais, normalement, oui, hein. Hashtag 21. Ah, mais le problème, c'est que l'Anto, c'est comme ses tours qualifs, quoi. Il n'a remis que la moitié, quoi. Donc, good luck, everyone. Sur le classement. Ouais, hashtag 21 sur 21, donc bon, ça va, quoi. Mais je préfère être là qu'en speed 2, hein, je te préviens, ça c'est clair. Je gagne 21 si je reste là. Et mon logiciel sous-estime toujours un peu là. Bon, bon, Anto, je pense que son micro est décédé. Anto, il est en push to talk et il parle à son stream là, il est déterminé. Wow, même dans le stream, il y a plus de. Wow, vous m'entendez? Ouais, c'est là, ça y est, on a réparé le micro. Anto est mort. On n'apparaît pas les micros, nous? Bah, j'ai tapé dessus quoi. La meilleure fois. Non mais c'est bon, vous m'entendez là? Ouais. Putain, mais je vais le réparer, j'ai une scie sauteuse dans le garage. Peut-être que tu l'emmènes un peu dans le jacuzzi. Ah oui, bah c'est pour ça. Hier j'ai streamé dans le jacuzzi, c'est pour ça qu'il a dû tomber. Allez, on se focus les gars. Ouais. Allez, bonne course les gars. Merci. Green flag. Left side. Stay on the right. You're on the right. 3 wide. Left side. 2 wide. Clear. Be careful. Oh merde. Oh derrière. Big one in the air. Ah bah je suis passé en dessous. Fait chier, ma voiture avait pas de dégâts, y'a un mec qui repasse après qui me donne un coup à l'avant quoi, sérieux. Bon, j'ai mis le limiteur de vitesse, quoi, quel con. J'ai mis le limiteur de vitesse.
Commander goes 100 direction, good job. Forcément, je suis dedans. Ah, fais des photos. Ça spin juste devant moi. Ça, je pense qu'il n'y a que de la carrosserie qui a été touchée, ça va le faire. Vous me croyez si je vous dis que j'ai mis le limiteur de vitesse dans la ligne droite? Sérieux? Ouais, je suis trompé. Je voulais mettre le push to all du jeu, mais c'est pas le bon bouton. Il y en a deux qui sortent en ligne droite quand même, hein, devant moi. Putain, les mecs. What a start by the French driver. Plus 50 d'hier, Nico, c'est bien. Ah, voilà. Ah, je suis plus vite, ok, ça va. C'est bon. Ah, bah ça fait plaisir, Flatout, ça. Là, je suis plus sûr que je gagne plus 50. Ah, derrière, devant toi, Nico, c'est à l'envers. What are you doing, buddy? Ah, mais je l'ai perdu dans le dernier virage sur les freins. Et je me suis retrouvé en tête à tête avec tout le monde qui arrivait derrière. Pas nous laisser passer lui. Décidément. J'ai dit que je la sentais pas, voilà. Ah ouais. Ça spin dans la ligne droite. Putain, ben voilà, le mec avance. Putain, as-tu à le doubler lui? Caraculas. Caraculas. Oh, Caraculas là. Oh, je dégage. Left side, go right. Clear on the left. Il n'y a pas eu de contact. Hein.
C'est fou de défendre. Alors, il y a un netcode, certes, mais. Stupid guy. Oh, salaud, j'arrive. Ah, maman, je sais pas si ça. Ah, mais les gars, voilà, je suis d'accord avec toi, au bout d'un moment, c'est bon. Ça fait 4 heures d'affilée que je suis collé à toi, je m'en passer, quoi. Ah, genre. T'es un criminel, mon gars! Non, mais au bout d'un moment, là, les gars, c'est une info pour vous. Dès que vous êtes à la bagarre avec quelqu'un, vous voyez, qui vous suit, qui machin, bah, qui, au bout d'un moment, laissez la porte ouverte. Là, le mec, il insiste comme un fou furieux, mais bon. Attendez, tu don't know how to play it. Ouais. Pour ce qu'il dit. Le mec qui a reculé dans la ligne droite là, qui a spin dans la ligne droite, il a quand même manqué à rien de te choper. Ouais, j'ai vu. Il tient pas les freins, il recule, il passe à 2 mm de toi. Il est en plein milieu, on va à droite. Bah, au lieu de rester en plein milieu parce qu'on arrive, il accélère et on se le prend tous les deux dans la gueule. Enfin, j'essaie de l'éviter en allant de l'autre côté, quoi, mais c'est impossible. Bon, maintenant faut essayer de revenir sur le mec devant. Il a mis un coup de gaz, le mec devant, là, truc, là. Non, mais au bout d'un moment, voilà, il faut savoir laisser la place. Moi, je suis gentil, hein. Vous avez vu le mec derrière nous là qui a causé le bigot à nos premiers virages, il était à l'intérieur, l'autre a serré, c'est normal que ça crache, hein. Lui c'est pareil. Quand l'intérieur, je lui demande pas de s'écarter, juste un tout petit peu d'ouvrir, il le fait pas, bah il mérite ce ski là. Hein. Les gens sont pas propres en fait. Et le problème c'est que là en fait, c'est moi qui passe pour un méchant. Parce que je le bump, mais mon gars, t'aurais juste laissé un peu de place, tu m'aurais laissé doubler, on aurait. Faire notre course, rien de plus quoi. Et moi je vous laisse sur la course. Ouais, ouais, bah, ciao. Ouais, je prends un genre prévu là. A plus. Il est arrivé. Ouais, ça roule bord devant moi. Je rappelle qu'on a le setup de Nene Drift, nous. Il n'est pas fait pour rester. Sur ces 4 roues, c'est top. Ouais, ouais, non, mais mon casque, mon machin est pété. Je sais pas ce que j'ai fait là. Désolé. Ouais, P16 le mec du gravier, j'ai vu les gars. Quelle course faut garder, nom de Dieu. Non, mais je sais pas ce que j'ai fait, je lui ai mis un coup hier sans faire exprès et j'ai dû le délinguer le machin. Moi qui voulais le vendre. Aux enchères, la Titus Foundation, aider pour aider à reconstruire la Porsche de Akamulo, ça, que le cinquième là. Enfin, il est plus cinquième maintenant, il est dans la balustrade. Je sais pas ce que j'ai fait pour mon micro, désolé les gars. Non,
je crois pas. Hein. Si tu subes une fois, c'est à toi d'en refaire manuellement. Hein. Ah mais je verrai, ça se trouve c'est juste un bug, hein, je réglerai ça après. Bon, tant que la vidéo est fluide, c'est bon, je ne parle plus. Ouais, je regarderai après Flatout. Effectivement. Dès que tu te réabonnes, c'est le cri de Jensen quand il gagne le titre en 2009, il me semble. Peut-être que dans le jeu d'action, t'as pas entendu. Ah ouais, ouais, devant, ça fait fou rien. Ah mais du niveau, parce que, enfin, faut pas croire... Moi, je m'amène en mode touriste, bon, je suis pas mauvais, mais il y a du niveau. Hein. C'est combien, Néné? Je remonte, j'arrive sur un peu le temps là. Keep focus. 21h, toi. Vise la P10, sur le sein. J'étais jeune, j'ai sombré dans la drogue. Et voilà, je me suis mis à iRacing et depuis, bah voilà. Hein. Fur et à mesure, bah, la drogue m'a pris quoi. Hein. Ta gueule, t'es un criminel. T'es un criminel, mon gars. Bah ouais, c'est le frère de Felipe. On est pas rapide que tout le monde, il y a juste le sixième, hein, surtout lui là, Maurice. Faut qu'il pousse le bouchon un peu trop loin, moi, Maurice. Ouais, en gare. Vive la Ford. Arrêtez. Ne parlez plus de cette Ford de merde là. Vivement que demain il lui mette 30 kilos dans la gueule là. On la voit plus. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais ils vont remettre du pain à la Ford.
Ouais, derrière, ça revient un peu. C'est qu'elle a pas d'usure la forge. Bon, la forge, je la connais par cœur. Hein. Avant, elle était bien parce qu'elle avait pas d'usure. Maintenant, elle est, c'est la meilleure et en plus, elle a pas d'usure. Donc forcément, c'est impossible pour les autres voitures d'exister. Alors là, à Catalunya, j'ai vu qu'il y a pas mal de Porsche. Mais c'est pareil, sur la distance, la Ford, elle fume la Porsche. Là, j'ai fait une course en Ferrari juste avant. J'étais à 30% sur mon pneu avant gauche. La Ford était à 49%. Il est 20% d'écart et je joue pas comme un assassin en plus. Ouais, bah désolé les gars, le micro est pété, je ne parle plus. Sur le peloton de la P7. D'ailleurs, bien, on va focus. On t'encourage, l'aîné. Ah. You are the man, you are the man. Derrière, il l'attaque avant que le gagne sur moi le 5. Si on a un viewer, Johan Fab, qui est australien, du coup, bah, on prend la traduction. Ça roule là, hein, c'est obligé de m'employer. Hein. We've got 10 left to go. Ah, t'as y.
merci Nico. Putain là faut que j'attaque derrière, il revient comme un avion de chasse. Bâtard de rouge. L'enlève. Ouais, des gars. Ah, derrière, pourtant j'ai remis un peu de rythme, mais derrière. Arrête, hein! Déjà que j'ai un micro tout pourri là. Merci Hugo pour le follow. C'est honneur ta Porsche Cup là, mais. J'ai l'impression d'être. C'est la Coupe du Monde. Pourtant, il n'y a pas de coupe à ramener. Ah, j'ai le micro de merde. Ouais, j'ai un bird, c'est ça, ouais. Ouais, il est crevé, mon bird. Virus. Five to go.
burned out 5 laps of fuel. You've got 2 laps to go. Non, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Dans la. White flag. What's up, Ricardo? Good race. Yes! J'ai cru que l'aide de Tom Pee, le dernier, le mec, là. Alright, there's the checker flag. C'était beau, hein. Putain, il a pas lâché, hein. Good job, very good job. Et même le du coup le P6 là, je lui ai mis 3 secondes dans la bague, ouais, 1 seconde dans la bagarre. Mais il a pas lâché le mec derrière. Putain, je suis au cul de la P7. Ouais, c'est bien PV. T'as une voix tout à fait sensuelle. Ouais, c'est Terminator. Le petit netcode que j'ai mis. J'ai fini avec mon pare-choc à côté de ce warrior. J'ai bien remonté, putain. Si je... C'est mieux le casque, les gars, là. Ah. Le micro, plutôt. Parce que ouais, le micro. Ouais. Bon, allez, je fais ma petite pause syndicale, j'arrive. Bah écoutez, messieurs, merci d'avoir suivi cette course. Désolé pour mon micro, c'est un peu de la merde. Donc on fait P4. Voilà, j'aime bien des courses comme ça où il y a la bagarre et c'est propre. Malheureusement, je suis déçu pour l'autre, là, l'autre con là qui a fait n'importe quoi. Je sais pas où c'est que je... Ah bah c'est là, tiens. Ah ouais, moi, Real Bro, ouais. Moi, je fais une course et j'arrête. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Ouais, remarque, je loupe mon freinage de 30 mètres. yes, Andy runs on a Saturday with 12 hours of Suzuka. And 6 hours of Road America on Sunday with my teammate. The same teammate... I have in Barters 12 hours, yes, exactly. Voilà, bon, en vrai, c'est moi qui le défonce. Hein. Donc voilà, thank you very much. Ouais, donc moi, je disais une course, parce que j'aime pas, moi, honnêtement, dès que je regarde quelque chose, je regarde une course. Les streamers qui diffusent 10 fois la même course ou qui stream pendant 4 heures, ça m'intéresse pas. Donc si ça m'intéresse pas, j'ai pas envie que ma chaîne soit celle-là. Moi, j'ai juste envie que les gens viennent une petite heure partager ma course et après repartent heureux ou pas, mais c'est tout. Ouais, j'ai pas envie que les gens passent 6 heures avec moi parce que déjà ça m'intéresserait pas, au bout d'un moment, il y aurait plus rien à dire. Donc voilà, moi je fais une course avec un petit peu plus d'entraînement qu'avant vu qu'en ce moment j'ai le temps. Voilà, je vais être avec vous. Ce soir, on se retrouve à 20h15 pour le duel MP1. On ira s'entraîner une petite 45 minutes. Et après, on fait la course donc à 21h. Donc voilà, stream à partir de 20h15 ce soir en ODR18 sur Road America. Et peut-être que demain soir, championnat Xanity en Kia. D'ailleurs, je vous invite les gars à vous y inscrire. Kia sur Le Mans. Alors ça, c'est mon rêve.
vous allez voir une armada de Kia Ikea justement. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce sur cet event qui a lieu demain. Ce serait bien qu'on soit au moins une vingtaine, 25, même 30 voitures au départ. Et on se retrouvera peut-être pour l'ILMS à 23h, je dis bien peut-être, à voir s'il y a une BOP intéressante sur les GTE. Voilà. S'ils enlèvent 5 kilos à la Ferrari et puis qu'ils font quelque chose un peu sur l'usure des gommes, je fais la course. S'ils changent rien, j'arrête là et on se retrouvera samedi pour les 12h de Suzuka. Donc voilà pour mon programme. Je sais que certains m'en veulent dès que je m'en vais comme ça, mais c'est comme ça que je fonctionne. La BOP, c'est la balance of performance. C'est l'équilibrage des voitures et sur en GTE. Aujourd'hui, elle est pourrie. Allez, je vous dis à la prochaine. À tout à l'heure, plus exactement. Ciao, ciao. Et on va réparer le micro. Dieu, moi.